Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, hein, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Actuellement, Nancy Audia, ravie de vous retrouver depuis une assez longue période pour votre émission de ce soir, La Parole Inspirée. Donc, je vais vous demander de vous sentir très à l'aise, de vous installer très calmement sur vos fauteuils. Nous allons parler chrétienté, nous allons parler spiritualité. Et pour cette émission produite par Pactole Productions, je reçois pour vous un prédicateur, Monsieur Herman Muntima. Monsieur Muntima, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de Alors, m'avoir invité. je vous en prie. Alors, pour commencer et entrer tout de suite dans le vif du sujet, ben, je vais vous laisser un petit peu vous présenter. Voilà, je m'appelle Herman Moutima-Sakrini. Oui. Je suis ressortissant de la République démocratique du Congo. Très bien. Ma marche avec le Seigneur a commencé très tôt dans ma jeunesse. Je suis né d'une famille chrétienne et j'évolue dans cet environnement chrétien jusqu'à ce jour. Dans le cadre de ma profession, dans mes activités professionnelles, j'ai eu à travailler comme fonctionnaire international en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai rencontré beaucoup de frères en Christ. J'ai rencontré aussi bien des chrétiens évangéliques que des prêtres. Et monsieur l'abbé, et j'ai renforcé encore mon ministère d'évangélisation. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous rencontrer, Nancy, et de partager avec vous la parole de Dieu. Tout à fait. Donc, pour cette première émission, donc avec Monsieur Herman Muntima, le premier thème qui va être traité, je peux me permettre de donner le verset qui se trouve dans la Bible? Nous allons parler aujourd'hui de la tempête apaisée. Voilà. Alors, nous allons lire dans les livres de Matthieu, au chapitre 8, versets 18 à 27. Nancy, si vous Très pouvez bien, donc lire. je vous invite aussi hein, à nous accompagner. Donc Matthieu chapitre 8, versets 18 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Jésus voyant une grande foule autour de lui, il donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici que s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et lui dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ce passage de l'Évangile nous révèle beaucoup de choses et que nous allons partager ce soir. Quel est le premier constat? Celui qui décide de passer de l'autre côté, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu. Il est Dieu. Est-ce qu'il ne savait pas ce qui allait arriver? Lorsque nous avons discuté de cette situation, même quand on était à Abidjan, on a vite vu qu'il y avait un problème. Jésus, fils de Dieu, qui monte dans une barque avec ses disciples. Et lors de la traversée, il y a un vent violent, une tempête.
Jésus ne savait-il pas que cette tempête allait arriver? Ça, c'est une question qu'on va se poser et qu'on va éclaircir durant cette émission. Deuxième constat, il y a le vent, il y a la tempête. Et cette tempête met en danger la vie de tous les groupes. Jésus y compris. Parce que l'eau commençait à entrer dans la barque. Et ça pouvait, il pouvait se noyer. Troisième constat, toujours dans ce passage biblique, Jésus dormait. Jésus, il est Dieu, oui ou non? Comment Dieu peut dormir? Est-ce que Dieu peut dormir? La Bible nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Mais comment Jésus peut dormir? Mais ici, la Bible nous dit que Jésus dormait. Ça, c'est un élément que nous tirons de ce passage biblique. Ensuite, pris de panique, des dangers devenant de plus en plus grands, les disciples vont réveiller Jésus. Au lieu de les remercier, Jésus commence à se fâcher contre eux. Chant d'épée de foi, pourquoi vous avez peur? Mais qui ne peut pas avoir peur lorsque vous êtes dans la mer? On ne dit pas que c'était un petit ruisseau, non, la mer. Et que l'eau commence à entrer partout. Il se fâche contre eux. Il les traite de gens de peu de foi et ensuite s'occupe du problème. Et il menace les vents. Les vents, c'est immatériel. Il menace les vents et les vents se calment. Et puis il y a l'étonnement de tout le monde. Voilà ce que la Bible nous dit dans ce passage. Mais maintenant, par rapport à vous qui nous regardez, il y a certains éléments que vous devez savoir. D'abord, la tempête, c'est quoi? La tempête, c'est toute situation imprévisible, toute situation complexe qui peut arriver, qui peut survenir dans nos vies. Imprévisible. Une situation où tu ne sais pas comment faire. Et tu te retrouves devant cette situation. Ici, c'était le cas de la tempête. Mais ça peut être autre chose dans notre vie. C'est ça la tempête. Donc chacun de nous, peut-être sans le savoir, à certains moments de notre vie, nous avons eu à affronter des tempêtes dans notre vie. Et comment est-ce que nous avons géré cette situation? Mais je voudrais peut-être voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette situation. La première leçon, Jésus, Fils de Dieu, était avec eux. Jésus qui faisait des miracles était avec eux. Mais comment se fait-il que Jésus, tout en étant avec eux, il y a un danger qui arrive? Beaucoup d'entre nous pensent que lorsque tu es avec Jésus, lorsque tu es avec le Christ, lorsque tu travailles pour le Christ, aucun souci ne peut t'arriver. Mais ici, nous voyons que Jésus était là lui-même. Ce n'est pas comme aujourd'hui où Jésus est avec nous par la foi. Mais là, physiquement, il était là. Mais la Bible nous dit ici que la tempête est arrivée. Donc, nous, chrétiens, ce que nous devons savoir,
ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'aucune situation de détresse ne peut nous arriver. Non. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Deuxième chose que nous devons savoir, ici, qui a provoqué cette tempête? Est-ce que vous pensez que c'est fortuitement que cette tempête est arrivée? Nous avons eu à discuter de ces thèmes avec certains frères et sœurs. La conclusion à laquelle nous étions arrivés est que cette tempête était provoquée par Jésus-Christ lui-même pour tester la foi de ses disciples. C'était provoqué pour les former parce qu'il savait bien qu'un jour il allait partir. Et s'il n'était pas aguerri, comment est-ce qu'ils allaient continuer l'œuvre? Donc, il fallait les mettre dans certaines situations compliquées pour qu'ils puissent s'efformer. C'est pour cela qu'il a provoqué cette situation. Il a créé cette tempête. Donc, tout malheur qui nous arrive dans nos vies, n'ayons pas tendance à croire que c'est les diables. Tout le monde dit « oui, c'est les diables, c'est les diables ». Il y a des situations qui peuvent être provoquées par Dieu lui-même, mais pas pour notre malheur. Mais c'est pour notre bien, pour nous épargner des situations compliquées après. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai suivi un reportage en Amérique. Il y a un grand évangéliste américain qui devait aller dans une autre province des États-Unis, dans un autre État des États-Unis, pour une campagne d'évangélisation. C'était un grand évangéliste. Et tout le monde l'attendait. Alors, là où il habitait, pour atteindre l'aéroport, il fallait 200 kilomètres. Alors, il y avait des embouteillages. Mais il regarde la montre. Mais je vais rater l'avion. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que les gens m'attendent là-bas? Je dois évangéliser. Et puis il dit, Seigneur, tu ne vois pas ça? Qu'est-ce que tu fais? Et tu es où, Seigneur? Et il a essayé de continuer sur l'autoroute. Et puis ça bloque. Et puis un pneu crève et tout ça. Mais Seigneur, tu ne vois pas que je vais rater? Et effectivement, il a raté l'avion. Quand il est arrivé à l'aéroport, il disait, ah, là, le vol en destination de... L'avion a décollé. Et il était là, fâché, en train de murmurer, mais c'est quoi ça, tout ça. Et devant lui, l'avion s'écrase au bout de la piste. Ah! Alors, toutes les systèmes à l'aéroport, là, voilà, là, les voltaires, ils viennent d'essayer, juste à l'atterrissage, ils ont raté le décollage. Oh! Ah bon? Donc, si j'étais là-dedans, j'allais aussi mourir. Alors, il s'est mis à genoux, là, tout le monde ne comprenait rien. Quelqu'un qui se met à genoux comme ça, en public, commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est un grand évangéliste. Donc, lui pensait que Dieu était absent. Mais Dieu a provoqué tout ce qu'il a provoqué, des pannes de véhicules et tout ça, pour l'épargner. Mais sur le coup, il ne savait pas que ça venait de Dieu. Il croyait que c'est le diable qui voulait qu'il n'évangélise pas. Et toi aussi qui me suis, tu es peut-être dans une situation pareille, où tu commençais à maudire Dieu. Je vais vous donner un autre exemple. Ça ne se passe pas aux États-Unis, ça se passe au Congo, dans mon pays. C'est dans un village. Il y a un planteur qui était très pratiquant, un chrétien pratiquant, qui a fait des champs, et au moment de la récolte, il y a certains produits de la récolte qu'il devait ramener au village. Mais
ces produits-là, la particularité, c'est ce qu'il ne faut pas que ça puisse, à ce niveau-là, être dans l'eau. Si c'est imbibé d'eau, ça se perd. Et au moment où il est allé faire la récolte, au moment où il rentrait, une grosse pluie s'annonçait. Alors, il fait la prière là-bas, dans la brousse, là-bas, dans ses champs. Seigneur, vraiment, vous connaissez que je suis responsable à l'église, tout ça. J'ai fait mon champ, voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si cette pluie arrive, je vais perdre toute la récolte, Seigneur. Il a fait la prière là-bas. Et les nuages devenaient de plus en plus noirs et tout ça. Et puis après, il y a eu une très grosse pluie. Et il était très fâché. Il a quand même pris sa bicyclette et il est arrivé au village. Quand il arrive au bout du village, là, tous les habitants du village viennent le voir. Il dit, mais toi, il faut vraiment garder ce Dieu-là que tu pries. Il dit, ah bon? Alors que lui était fâché contre Dieu. Il dit, tu sais, ta maison, il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans ta maison. C'est grâce à cette grosse pluie que ta maison a été épargnée. S'il n'y avait pas cette pluie, maintenant où on parle, tu n'aurais plus de maison. Alors il se souvient de sa prière. Il dit, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est au Congo. Ce n'est pas en Amérique. Seigneur, pardonne-moi. Donc, il arrive des situations comme ça, où des gens qui ne se maîtrisent pas commencent à attaquer Dieu, à dire des choses contre Dieu. Et à ce moment-là, tu perds. Je vais vous donner un dernier exemple. Ceci, ça se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un pasteur qui avait des difficultés dans son église. Ça ne marchait pas. Il prie, ça ne marchait pas. Et puis, pour une histoire de bagarre dans les quartiers, lui va intervenir pour que on puisse calmer la bagarre. La police arrive, pouf, on les prend. Parmi les gens, ah non, toi tu es, voilà. Et il va en prison. Ah, toute l'église sait, donc comment un pasteur peut aller en prison, commencer à faire des prières, des retraites, de tout ça. Et le pasteur ne sortait toujours pas. Il était en prison. Mais quand il est arrivé là-bas en prison, un jour, on a arrêté quelqu'un d'autre. C'était un millionnaire. Et ce millionnaire-là, là, entre les prisonniers, il commençait à causer. Et toi, comment? Il dit, non, moi, je suis pasteur. Ah bon, tu es pasteur? Et toi, non, moi. Et il a commencé à prêcher la parole à ce monsieur-là. Et comme c'était quand même un grand, dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu, il est arrivé à transformer ce millionnaire qui ne connaissait pas Dieu. Et il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il a dit, lorsque nous sortirons d'ici, je me souviendrai de vous. Et effectivement, comme c'était le plan monté par Dieu, ça n'a pas fait longtemps. Parce que le pasteur avait fait quoi? Rien. C'est Dieu qui avait provoqué ça, pour qu'il aille rencontrer un millionnaire. Puisque lui, il disait, non, Seigneur, comment mon histoire, mon église, hein? Et voilà. Il est arrivé là-bas. Il sort de là. Maintenant, c'est la prospérité dans son église. Mais il a dû passer par la prison.
Donc Dieu peut utiliser toutes sortes de situations compliquées pour nous épargner, pour nous enseigner. Mais c'est toujours pour notre bien. Alors, lorsqu'une situation de détresse t'arrive, ma sœur, mon frère, qui me suivait maintenant, la première chose à faire, c'est de faire comme les apôtres, comme les disciples. Allez réveiller Jésus-Christ. Allez le réveiller. Monsieur Herman, permettez-moi de vous interrompre un petit peu. Donc, on devrait comprendre que beaucoup de chrétiens, quand ils se retrouvent devant un obstacle, ont Jésus avec eux, mais oublient la foi. Tout à fait. Il y en a qui disent même que, bon, si c'est comme ça, je vais laisser un peu la Bible, je vais aller au village, comme ça, on va voir. Voilà. C'est pour montrer qu'ils n'ont pas les deux pieds dans Jésus. Et c'est ça les grands problèmes. Donc, quand une situation compliquée nous arrive, on a tendance à comprendre que non, ça ne peut pas venir de Dieu. Oui, c'est vrai, il y a des situations qui ne viennent pas de Dieu, bien sûr. Mais il y a un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Ça, je voudrais que vous notiez ça. Quelle que soit la situation, un enfant de Dieu, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Quelle que soit la situation. Et est-ce que l'un ne va pas avec l'autre? Jésus? Croire en Jésus, la foi, absolument. C'est croire également. Parce absolument. Quand on a la foi, on peut se retrouver devant un mur, impossible. Mais parce qu'on sait, on a la foi, on peut casser le mur et passer. Donc, si on n'a pas la foi, pourquoi? Et si vous voyez, si vous entendez la question de Jésus, dit pourquoi vous avez peur? Voilà. Parce que quelqu'un qui a peur, alors qu'il sait qu'il est avec Jésus, ça veut dire qu'il y a un problème. Tout à fait. Quelqu'un qui ressuscite des morts, quelqu'un qui... Donc, et vous êtes avec lui, vous avez peur. Ça veut dire que vous ne connaissez pas avec qui vous faites chemin. C'est pour cela qu'il les traite des gens de peu de foi. Donc, il est important que nous puissions avoir vraiment la foi. La foi sauve. Si on n'a pas la foi, on ne pourra pas avoir des solutions dans notre vie. Parce que Dieu aime ceux qui ont la foi. C'est pour cela que Jésus-Christ, en criant sur la tempête, ça a certainement ouvert, fait grandir la foi de ses disciples. Mm-hmm. Parce que les gens ont besoin des situations de cette nature pour renforcer leur foi. Parce qu'il y a des gens, puisque la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend, mm-hmm. mais il est prouvé aussi que la foi vient de ce que l'on voit. Très bien. Alors, si vous ne voyez pas des miracles, beaucoup de gens qui suivaient Jésus, c'est parce qu'ils voyaient des miracles. Et les apôtres et les disciples, quand ils ont vu... c'est pour ça qu'ils disent, qui est celui-là à qui même les vents obéissent? Mm-hmm. Donc, il faut atteindre ces niveaux-là. Si vous n'atteignez pas ces niveaux-là, vous pouvez certainement aller à l'église, mais ça ne suffit pas. Il faut faire augmenter ta foi. Et cette foi-là mérite que vous puissiez avoir une vie de prière assidue. Et lorsque vous avez une vie de prière assidue, et qu'il vous arrive une situation compliquée, c'est peut-être que Jésus dort dans ta barque. Alors, va le réveiller. N'aie pas peur. N'aie pas peur, va le réveiller. Et il va donner l'ordre à la tempête de s'apaiser. Et il y aura le calme dans ta vie. Merci. Donc, merci beaucoup à vous tous. J'espère que vous avez été édifiés par le thème de ce soir sur la tempête apaisée. Donc, on vous laisse continuer à méditer chez vous sur le thème et à pourquoi pas intervenir en commentaire pour qu'il puisse y avoir un échange sur le thème qui a été proposé aujourd'hui. À très bientôt. Merci à Pactol Studio. Olo Muntima. À très bientôt. Au revoir.
communiquer à l'international au-delà du Congo et de l'Afrique. Une seule chaîne, c'est direct. Diffusé en France par Freebox, canal 449. Molotov TV, le bouquet africain en Europe, évidemment sur le continent africain. Canal Plus Afrique, canal 334. La TNT de Canal Plus, Easy TV, canal 3. La seule chaîne privée congolaise, suivie par la diaspora africaine et congolaise en France et en Europe. Le Congo vu du monde, le monde vu du Congo. C'est direct, première chaîne mondiale des deux Congos.